Bonjour et bienvenue dans l'édition du 10 octobre de La Chapelle Info, voici les titres. Le défilé du cours de coupe et couture. Et l'actualité en bref. Les élèves du cours de coupe et couture de l'Association des familles ont organisé leur traditionnel défilé samedi 4 octobre dans la salle polyvalente de la Choc. Le public très attentif a pu découvrir différents vêtements, pour tous les styles et tous les âges, réalisés par les élèves qui ont assuré eux-mêmes la présentation. Combien de temps faut-il pour réaliser un vêtement et à qui s'adressent ces cours? Colette Dieu et Catherine Dezer ont répondu à ces questions. Le défilé représente quand même tout notre travail et on a plaisir à le montrer. Et si ça peut donner des idées à de futures adhérentes, on arrive très vite à faire des belles choses. Et on a beaucoup de personnes qui ont démarré sans savoir tenir une aiguille et qui arrivent à un résultat spectaculaire maintenant. Les vêtements que l'on fabrique, on met plus ou moins de temps suivant les difficultés et suivant les technicités qu'il faut acquérir pour le faire. Donc, une robe, on va mettre quand même 3-4 semaines, 5 semaines, à raison de 3-4 heures par semaine. Mais on y arrive. Et même si on ne fait qu'un seul vêtement dans l'année, c'est quand même un vêtement qu'on porte, qu'on a envie de porter. Et puis, on a quand même le plaisir de l'avoir fait. C'est ouvert à tout le monde et c'est une couture traditionnelle. Ce n'est pas de la confection qu'on fait, hein. C'est vraiment de la couture. Mais c'est ouvert aux débutants, comme aux personnes qui savent déjà coudre. Il y a une bonne ambiance et puis on s'amuse bien aussi. À l'issue du défilé très applaudi, les élèves ont invité le public à partager le verre de l'amitié. Le football club chapelois a accueilli dimanche 5 octobre un match comptant pour le championnat national U17. Les équipes du LOSC et du SM Caen se sont rencontrées sur le terrain synthétique et c'est le LOSC qui s'est imposé 3-0. Pour Mathieu Ballon, l'entraîneur de Caen, il y a eu un manque d'efficacité offensive et une réaction trop tardive. Cette édition est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous vendredi 17 octobre.